Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, qui m'a mis, les anges et tous les saints, et vous aussi, les frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu nous puisse nous fasse miséricorde, que nous pardonne. Si tu es mort, dis. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise dans nos cœurs pour ta servante félicité, nous invite à prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu veux faire vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce que la retient loin de toi. Et profondeur, j'écrivais toi, Seigneur.
écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole, je suis sûr de sa parole. Alléluia, Alléluia, Yahweh. Nam Sembe Chapeur, Alléluia. Alléluia, 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 Yahweh. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées, et 5 étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leurs lampes sans apporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour vous et pour nous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elle était à l'acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis. » Nous avons écouté la première lecture de l'Épître de Saint Paul apôtre aux Philippiens, qui nous dit que nous sommes concitoyens du ciel. Et c'est à cause de ceci, à cause du baptême, hein, en attendant notre destinée qui est le ciel, nous sommes appelés à endurer n'importe quelle épreuve, parce que ce qu'il faut regarder est le point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est le paradis. Et je vois ici que vous irez au village Bangwa Fonti, et voilà, elle sera mise, sera inhumée à Bangwa Fonti, mais c'est une colocation provisoire, parce que si elle est baptisée, elle est destinée à entrer dans la vie éternelle, tout homme qui fait la volonté de Dieu. Nous avons écoutez aussi l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile des 10 vierges. Et ici, il s'agit de la fête de noces. On peut la comparer à vos noces traditionnelles. Quand vous faites le mariage traditionnel, vous savez à quelle heure ça commence, mais vous ne savez jamais à quelle heure ça finit. Ça dépend aussi de la fille. Plus elle a des vertus, des qualités,
plus les tentations sont longues. Je me rappelle que j'ai assisté à un mariage de l'Ouest, en Colmitac, il y a 15 ans, pour voir comment se passe le mariage traditionnel, que je respecte. Et on a commencé à 19h, et à un moment donné, jusqu'à 22h30, rien ne bougeait. Celui qui m'accompagnait me traduisait, et je dis, qu'est-ce qui se passe? Le papa qui avait dit qu'il était un chrétien engagé, j'ai toujours peur de ce que se définisse un chrétien engagé, a dit que l'enveloppe que la famille avait donnée était trop petite. Et pour respect pour moi, que j'étais un prêtre et que j'étais là, alors ils ont dit, faisons une chose, mangeons d'abord et après on va finir le mariage. Et le mariage est fini à 4h30 du matin. Ils se sont mis en fin d'accord. Voilà. Ici, il y a plus ou moins le même cas d'espèce. Il y a un homme qui va prendre sa femme dans sa famille et il doit rentrer en portant sa femme. C'est comme ça qu'on faisait avant. J'espère qu'il y a encore des hommes qui sont capables de porter leur femme dans ses bras pour traverser le seuil de la maison. Et là-bas, à ce moment-là, il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas les néons, il y avait les lampes tempêtes du village, à huile, pas à pétrole. Et il fallait prendre de l'huile. Ici, il y a 10 vierges, sont ce que s'appellent aujourd'hui les demoiselles d'honneur. Les demoiselles d'honneur, on parle de ceci, de cette tradition juive. Et 5 ont prévu de l'huile en abondance. 5 autres ont dit, bon, le mariage sera rapide, ils n'ont pas pris l'huile en réserve. Et à un moment donné, voilà, arrive l'époux à minuit et il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et les 5, c'est intéressant, dit l'évangile, que tous les 10 s'assoupirent toutes. Et c'est vrai, devant les événements de la vie, on peut se fatiguer, on peut s'assoupir. Et à un moment donné, il se réveille. Elle se réveille et 5 vont à la rencontre de l'époux. Elle les saute, les insensés, les non-prévoyantes, demande de l'huile aux autres. Elle dit, n'est pas possible, ne sera suffisant, ni pour nous, ni pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez le marchand. Quel marchand est ouvert à minuit? Et c'est une parole aussi très claire pour nous. Qu'est-ce que veut dire cette huile? Prier, faire la volonté de Dieu, nous sommes en train de prendre de l'huile pour nous et pour nous féliciter ici, ce soir, en priant, en faisant cette Eucharistie. Prier, faire la volonté de Dieu, pour qui n'est pas catholique et qui n'est pas non plus chrétien, sentir au moins la loi naturelle qu'il y a dans son cœur, que te dit, fais le bien, évite le mal. Nous l'avons tous, est une loi universelle. Alors, ceci nous l'avons tout. Est intéressant que l'huile est contenue dans des petites fioles, dans des petits recevoirs. Ça veut dire que pour aller au ciel, nous ne devons pas faire quelque chose d'extraordinaire. Nous devons seulement être fidèles aux petites choses que le Seigneur nous donne. La prière, faire le bien, éviter le mal, aller au culte le dimanche, pour qui est chrétien. Et alors, quand quelqu'un, cette huile, on ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour méchanceté qu'ils disent ceci. Parce que quand quelqu'un, par exemple, me dit à moi, mon père est prié pour moi, je réponds toujours, je prie pour toi, je prierai pour toi, mais attention, je ne peux pas prier à ta place. C'est toi qui dois garder toi-même cette huile. Qu'est-ce que cette parole veut nous dire concrètement? Voilà, félicité, en écoutant aussi sa sœur, elle est morte de manière rapide, improviste. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Nous la confions à la miséricorde de Dieu. Elle était baptisée, elle, comme nous tous, et moi le premier, a fait aussi ses erreurs, qui sont impossibles de ne pas le faire, mais nous la confions au Seigneur qui est miséricordieux. Elle a déjà eu dans son baptême une
étincelle de vie éternelle. C'est une semence qui grandit pour la vie éternelle. Et alors nous la confions au Seigneur que miséricordieux, miséricordieux de nous tous ici présents. Mais c'est aussi la parole pour chacun de nous. Voilà, cet événement, je parle, arrivera pour moi le premier et arrivera pour chacun de nous. Et il faut être prêt. Il faut être avec les lampes allumées, prêt à rencontrer le Seigneur. Dit un philosophe chrétien, qui n'est pas catholique, dit que le vrai homme, il ne dit pas chrétien, il dit le vrai homme est celui qui sait anticiper la mort, que la mort ne le prend pas de surprise. C'est intéressant, si Racine 36.4 dit quelque chose de très beau et très fort, il dit pense à ta fin, pense à ta mort, et tu ne pécheras jamais. Qui pense à sa mort, et qui pense que ceci peut arriver, pas seulement à Félicité, mais à nous tous ici, il ne peut pas vivre comme un insensé, comme les filles qui n'ont pas d'huile. Il ne peut pas vivre une vie plate, seulement basée sur l'horizontale, sur les choses de ce monde. Nous sommes plus que notre corps, nous avons un esprit, une âme, nous sommes orientés à la vie éternelle. Et le Seigneur nous attend dans le ciel, la mort n'est pas la fin de tout, un mur en béton armé dans lequel nous allons nous écraser. La mort, c'est un seuil. Jésus, en mourant sur la croix, en ressuscitant, il a pris notre condition humaine. Il a ouvert une porte vers l'éternité. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Souvenir constant de la mort. Saint François appelait la mort ma sœur mort. Il y a des personnes qui sont terrorisées de la mort. Je rencontre des dizaines de personnes par jour qui ont peur d'être hantées, je ne sais pas. Voilà, terrorisées de la mort. Saint François, qui est un saint, qui avait une relation profonde avec Dieu, appelait la mort ma sœur. Et ce Paul disait, je préfère mourir pour rencontrer le Seigneur. Mais si je dois rester encore plus pour évangéliser et pour vous annoncer Jésus, je préfère rester avec vous. Mais ce que mon désir est aller avec le Seigneur. Voilà. Alors, avec joie, que si meurt un militaire, on prenait 10 civils et on les fusillait le jour après. Alors, ils ont pris 10 personnes de mon village et ils les ont mis dans la cellule de la gendarmerie à 20h du soir. Et ils ont dit, demain matin à 8h, vous serez tous fusillés. Et à un moment donné, cet homme était le dixième. Il compte parce que c'est passé différemment. Le matin à 6h, on a trouvé le meurtrier, celui qui avait tué le militaire, et il l'a mis dans le rang des 10. Il a levé le dixième, que c'était cet homme-là. Mais ce qui comptait, il le disait avec émotion, il disait, quand on m'a dit que je vais mourir, que je serai fusillé, j'ai vu ma vie comme un film à moins d'une minute. Et j'ai vu tout le mal que j'ai fait et tous les discommunions que j'avais avec les autres. Et là, et j'ai commencé à pleurer parce qu'il disait, je voulais demander pardon, mais n'était pas possible. Et vous savez que l'enfer, ce n'est pas un lieu précis, comme on veut le dire. C'est une condition quand tu n'auras plus la possibilité d'aimer quelqu'un. C'est écrit dans l'évangile, dans la parabole de Lazare, le riche poulon. Il dit, envoie Lazare à prendre, à avertir mes frères qui sont en train de se perdre. Il dit, ils ont déjà les écritures, les prophètes. Même si quelqu'un revient des morts, ils vont se convaincre. Même si quelqu'un vient ressuscite. Même quelqu'un qui, comme dit l'évangile, si quelqu'un a quelque chose contre toi, même de manière injuste, et en discommunion avec toi, dépose ton offrande à l'autel et va te réconcilier avec lui. Il achetait des cadeaux pour tout le monde, il allait à genoux à demander pardon. Mais quand vous rencontrez cet homme-là, vous voyez quelqu'un qui avait du poids, pas un homme léger, spirituellement. Voilà, le fait, l'événement de la mort avait réveillé aussi son esprit, sa vie, et lui avait fait comprendre tout
toutes choses. Et alors, il avait fait rapprocher au Seigneur. Voilà. Que le Seigneur nous donne véritablement devant cet événement, à savoir compter nos jours. Et s'il y a quelqu'un en allant au village avec lequel tout ne te parle plus depuis longtemps, c'est l'occasion pour se réconcilier. C'est aussi une manière pour que aussi félicité monte rapidement au ciel auprès du Père. Louis soit Jésus-Christ. Prions avec confiance. Prions avec confiance, dit le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Disons ensemble. Notre sœur, notre amie, notre maman, défunte, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Chapelet, Yahweh, Tayoreh, l'enseignement. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Chapelet, Yahweh, Tayoreh, l'enseignement. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ
Bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il a sauvé le monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Chapeau, chapeau, on est bandé, on est chassé, voilé, chassé, voilé, on est. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Thank you.
Il est grand le mystère de la foi. Nous avançons à mon Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que, n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Samuel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de Félicité que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, que soient allés dans la lumière de ton visage. Sur nos tous sans fin, nous implorons ta beauté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle. Et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et à lui. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Confiance à la prière que nous avons appris du Sauveur, tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règne, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Comme le Dieu qui enlève le péché du monde. Qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Du monde. Heureux invités au repas de notre Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais de seulement une parole, je serai guéri.
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour quand tu n'es pas lu dans la nuit. Comme pas d'un jour de pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon pain, mon frère. C'est mon sang, car je suis. Nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre sœur Félicité de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par le Christ, notre Seigneur. Purifier l'humanité par le déluge, signe du baptême. Tu as sanctifié les eaux de Jourdain par ton Fils Jésus-Christ. Daigne bénir cet eau qui nous rappelle notre baptême et nous protège de tout mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous n'allons pas faire l'absous, vous le ferez au village. Nous ferons une simple bénédiction avec l'eau bénie pour rappeler le baptême. Venez à moi, vous tous qui venez sur le bas du fardeau et moi, je vous procurerai le repos. À cet instant de preuve, soutenons le Seigneur qui s'est chargé de nos pleurs et de rester avec nous. Disons ensemble, reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Passe au mystère de la mort, ne nous abandonne pas, prions. Reste avec nous, Seigneur. À cet instant de deuil et de séparation, prions. Reste avec nous, Seigneur. À l'heure de la souffrance et du désarroi, prions. Reste avec nous, Seigneur. Pour que nous gardions l'espérance, prions. Reste avec nous, Seigneur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Seigneur, Félicité quitte maintenant sa demeure terrestre, laissant derrière elle la souffrance de ceux qui l'aiment. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de celui que nous perdons, ou dans le regret du passé, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez venir à tour de l'ordre ici, alors venir d'accord, et après vous rentrez à votre place pour la bénédiction. Ça suffit pour trois fois, restez ici.
Yahweh, 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 Yahweh,
On a déjà détaillé le corps là. Ah bon, voilà comme tu vois, on a déjà détaillé ça déjà. La voiture là, gars, la vue, il a ça. Il a foncé, foncé. Voilà, nous sommes comme ça à Bangoua. Nous sommes à Bangoua. Nous sommes comme ça à Bangoua.
Là, voici, ça c'est Aline, hein. Voici Aline, là voici.
ma soeur chérie, ma sœur ici. Nous sommes comme ça pour les obsèques de notre petite soeur. Tu avances un peu plus devant moi. Félicité. Parle, Tchamini. Je présente. Là, c'est tonton Roger. Là, c'est Mylène. Là, c'est... Vas-y, non. Non, j'ai pas besoin. Ton petit nom, ça. Oh. Non, je ne veux pas Victorine. Mamie. C'est pas mamie, c'est quoi? Vicky. Ah, oh, ok. Je confonds avec mamie. Oh, ça, c'est mon oncle. Bienvenue, tu as été en classe. Nous sommes là pour les obsèques. Ça, c'est les obsèques de sa fille. Parce que moi, ça, c'est l'oncle ici. Voilà. Ça, c'est l'oncle. Là, c'est l'oncle. Et ici, ça, c'est le tonton. Notre tonton chéri, les voilà tous. Tonton, il y a beaucoup ici. Tonton André, tonton Yacou, voilà tata Christine, la tante est tata Christine, et c'est là, en même temps la grand-mère, maman Biana, celle là-bas. Ouais. Ah, et là c'est notre mère chérie, maman Nicole ici là, en pause. Nous sommes aux obsèques de notre, et souvent aux obsèques de leur fille, de filles. Ça, c'est la famille Mibou. Et là, c'est Maman Rose, la mère chérie qui m'a élevée. Elle a maman, donc c'est que j'ai dit. Et là, c'est mon tonton chéri. Le tonton chéri. Le beau des beaux, le seul qui nous reste. C'est l'unique. C'est l'unique. Et là, c'est accompagné de tonton également. Tonton, et il vit à Melon, hein. Il vit à Melon. C'est un peu tonton qui est là. Voilà, jeune, à Melon. Voilà, ça, c'est tonton et jeune ici. Mon chéri tonton et jeune, c'est moi ici à cause. Tu as vu, toute la famille est sortie. Tu vois, c'est toute la famille qui est là. C'est pas la blague. Alors, là c'est notre belle soeur chérie de Vicky ici. Hein? Voilà. Tant que Victorine, ça c'est notre belle soeur chérie. Tous les voilà. Tous là. Ça c'est le bon en place, pas n'importe quel bon. Et ça c'est l'unique. La seule copine qui nous reste dans la vie. Elle c'est moi c'est elle. Il n'y a pas son Dieu. Ça c'est mon petit tonton, mon petit frère chéri ici, le voilà. Hein? Là c'est mon fils, c'est Willy. Là c'est Willy. Alors, ça c'est la petite belle soeur chérie ici. Et voici notre belle mère chérie qui a fait notre belle fille chérie. Elle n'a pas couché n'importe quoi. Et dans la famille, on ne prend pas n'importe quoi. On choisit que les bonnes choses. La famille est prête pour n'importe quoi. Tu as vu la beauté en place. C'est pas la blague. Tu as vu la beauté. Voilà. Donc, c'est toute la famille. Là, toute la famille. La famille en place. Oh! Ça c'est mon chéri. Voilà. Mon petit frère. Et quand le voilà, on m'a dit que c'est ma femme, ça c'est mon petit frère. Fais parler, mais tu peux même s'attendre. Je ne peux pas entendre ça. Voilà, c'est mon chéri. Accompagné, tu as vu. On te t'entend assis là. Ici, quand je suis là, tu attends, ça veut dire que tu m'es pas. Voilà. Tu as vu. Très chaud. Voici l'oncle. Assis l'oncle ici.
Tonton est mal. Bon, on couche, chérie. Depuis Bangou, quand on battait comme ça, il fouettait les fesses. Il nous fouettait là, oh, les chics, c'est mal. Il enlevait les chics. Tchabino. Les chics allaient seulement nous finir. C'est lui qui a enlevé. Il a enlevé. Ok. Oh, j'allais oublier. Ça, c'est mon grand frère chéri. Ah, d'accord, c'est Rambo. Tu connais son sobriquet? Rambo. Tu sais ce qu'on appelle Rambo, non? Et il n'y a pas son deux. Tu connais le Rambo d'avant, là, non? Dans les films, là. Ah. Allons-y. Tu as pris ici. Tu le connais déjà, non? Oh, ça c'est Njoya, le grand-père. Le père des pères. Mais s'il s'amuse, le poste là, il va pas. On va donner ça à une autre personne parce qu'il veut pas, il veut danser. Ça c'est le père des. Hey, tu as dansé qui dit encore? Ok. Voilà, je suis déjà ici. Tu as vu ici. La seule qui nous reste. La seule qui nous reste, Nick. Maman Magna. La mère des mères. Il n'y a pas son deuil. Quand elle se fâche, après elle revient sur sa décision. Elle oublie. Elle même prend encore le téléphone, elle t'appelle. Pourtant, c'est l'enfant qui va appeler, mais c'est elle qui t'appelle. Elle dit, comment tu vas? C'est elle ici, c'est elle ici. Oui, oui. Alors, sans manger. Oh. Tu as vu le jeune, le signe. Merde. Ah, le fils de qui est? Il dit que c'est la beauté dans la famille, il n'y a pas son deux. Ici, maintenant, là. Voici ma jumelle. Ça, c'est ma jumelle ici. Ça, c'est ma jumelle. Elle m'a appris. Ça, c'est ma jumelle ici, là. Tu as vu? Voici ma jumelle. Viens vite, voici ma jumelle ici. Ça, c'est ma jumelle. Tu as vu ma jumelle? Quand tu nous vois, on dit seulement que. Hey, tu as vu ma jumelle, non? Voilà, ma. Voilà, ça, c'est ma jumelle. Il n'y a pas son cul. Hey, il n'y a pas son deux. Tu as vu ma jumelle, non? Ah. Et voici la con. Regarde. Ça, c'est ma fille. Ah, ça, tu as vu son jumeau tout à l'heure, non? Je t'ai dit que nous faisons que les belles et les. Je dis beau et belle fille. Il n'y a pas son deux. Délivré des liens de la condition mortelle. Donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun demeure pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur, car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tout en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ne crains pas, ne crains pas, je t'ai racheté. Ne crains pas, ne crains pas, je Seigneur, ne crains pas, ne crains pas,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un grand cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent. Jamais. Cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Amen. On peut dire la même chose en ce qui concerne Félicité. Après 40 ans, qui retourne vers le Père. Le temps où on commence véritablement à vivre. Et dans la question de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour vivre longtemps? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque pour nous, il faut naître, grandir, vieillir avant de mourir. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour vivre longtemps, pour vieillir avant de mourir? Je me suis posé cette question. Je n'ai pas eu de réponse. Mais le Seigneur nous donne des éléments de réponse. Ou encore, le Seigneur répond à cette question. La fin de l'évangile dit ceci. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. En d'autres termes, notre façon de concevoir la vie ne cadre pas forcément avec la volonté de Dieu. Ne cadre pas forcément avec la volonté de Dieu. On peut parler des accidents. Dans un processus où on peut dire certainement cette personne qui est partie, quelque chose n'a pas marché à un moment précis. Mais moi je pense plutôt que tout marche sur le plan de Dieu. Même s'il y a un accident, l'accident est voulu et assumé par Dieu. Voilà pourquoi il peut laisser que l'accident arrive. Face à un tel événement, un tel choc, un deuil pareil, pour moi, l'essentiel n'est pas de se préoccuper, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que nous savons tous, nous allons mourir. C'est le chemin de tous. Nous allons tous mourir. Mais au lieu de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché plutôt, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne mort? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne mort? Parce que nous savons, comme nous dit la première lecture, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Nous sommes tous appropriés de Dieu. Croyant ou pas, conscient ou inconscient, nous sommes tous la créature du Créateur.
Et un jour, nous allons retourner vers le Créateur. Et comment est-ce que je me prépare pour affronter cette rencontre ultime avec mon Seigneur et mon Sauveur? Le Seigneur nous demande d'être prêt. Parce qu'il risque d'arriver au moment où nous l'attendons le moins. Au moment où on semble que tout va bien. Au moment où on essaie d'asseoir un certain nombre de projets. Où on se dit qu'on a tout ce qu'il faut pour réaliser le projet. Mais il va dire non, arrête-toi à ce niveau. Arrête-toi à ce niveau. Reviens vers moi. Retourne vers celui-là qui t'a créé. Retourne dans la case de départ. Et nous savons que nous sommes tous en pèlerinage sur la terre. Et le Christ, par sa mort et sa résurrection, nous donne davantage de comprendre que la mort n'est pas la fin de tout, mais un passage d'une vie de souffrance à une vie auprès du Créateur. Et donc, il est urgent que chaque jour de notre vie, nous fournissons des efforts pour correspondre à la volonté de Dieu. Quand on va demander au Christ quel est le plus grand commandement, docteur la loi, qu'est-ce qu'il va dire? Aimer son prochain, aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, si j'aime Dieu, naturellement, je vais aimer mon prochain. Je ne vais pas prétendre aimer Dieu que je ne vois pas et haïr mon prochain avec qui je suis chaque jour. L'amour de Dieu passe naturellement par l'amour que nous avons les uns les autres. Et donc, celui-là qui garde sa lampe allumée avec de l'huile en réserve, c'est celui-là qui sait que tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, vient de Dieu. Et donc, il se met au service des autres. En se mettant au service des autres, il met également ce qu'il a au service des autres. Mais ça nous manque énormément, frères et sœurs. Tu dis comment on peut dire on se met au service, mais quand on entre en profondeur, on a l'impression que nous ne comprenons pas bien cette chose-là. On n'arrive pas à se défaire, à se détacher, à faire des sacrifices. On n'arrive pas à mettre l'homme au cœur de notre vie. Très souvent, on pense, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que ça m'apporte? Il y a un slogan, pas d'intérêt, pas d'action. J'agis par intérêt. Et donc, s'il y a plusieurs personnes qui proposent des choses, qui m'offre le mieux? Celui qui offre quelque chose d'intéressant, je suis avec la personne. Toi qui n'as rien, reste de ton côté. Félicité est partie les mains vides. Elle n'emporte rien. Qu'on l'enterre dans un cercueil ou pas, ce n'est plus son problème. Elle n'est plus là. Et un tel événement doit davantage nous bousculer. Lorsque je vais partir comme elle là, je vais partir les mains vides. Mais qu'est-ce que je laisse derrière moi? Une famille unie, une famille divisée ou la guerre? Le temps n'est plus dans à se dire qu'est-ce qui n'a pas marché parce qu'elle est partie, elle ne va plus revenir. Là, c'est une certitude, mais de prier qu'elle repose en paix. Prier qu'elle repose en paix. En priant donc pour elle, pour sa famille, parce qu'elle est difficile pour un parent d'enterrer son enfant, puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a un instant, notre messe, que lorsqu'on accouche, l'enfant, c'est un projet, c'est vrai. Mais dans la conception des parents, c'est que l'enfant doit m'inhumer plus tard. Donc j'accouche pour que ces enfants organisent mes obsèques. Et si dans l'enfant part avant, certainement on a un choc. Et si on n'a pas assez de force, on peut craquer. Et donc, prions donc pour sa maman, prions pour ses frères et sœurs, prions aussi surtout pour nous-mêmes. Que ce deuil davantage nous bouscule le plus profond de nous et nous aide à revenir vers le Seigneur de tout notre cœur. Nous avons tous besoin. Le Seigneur arrive. Et il va arriver au moment où nous attendons le moins. Peut-être dans quelques minutes, ce sera moi. Peut-être ce sera toi. Peut-être ce sera l'un d'entre nous. Et si je pars maintenant, est-ce que réellement je me suis préparé à affronter le Seigneur? Est-ce que je me suis préparé? Frères et sœurs, il n'y a pas l'âge pour mourir. Il n'y a pas un canevas précis pour la mort. Peut-être après ça va vous, on tombe malade, on souffre, on voit la personne partir petit feu. Quelqu'un doit se coucher le soir et le matin il ne se réveille pas. Vous avez affronté l'épreuve de la route. Quelqu'un peut s'engager là, je retourne sur bas fond, mais il n'arrive pas à bas fond. Mais si je meurs là maintenant, je serai de quel côté? Elle serait parmi les vierges sages ou les vierges insensées? Bon, la vierge insensée, c'est celle ou c'est celui qui vit sans penser que le Seigneur existe,
sans penser que le Seigneur est le Créateur seul de la terre, qu'il est maître des temps et de l'histoire, qu'il est maître de notre propre vie. Et que notre vie ne peut avoir de sens en dehors de Dieu. Notre vie prend tout son sens en Dieu et en Dieu seul. Frères et sœurs, oui, notre vie n'a de sens qu'en Dieu. Félicité s'en est allé rencontrer son Créateur. Certainement, comme chacun d'entre nous, elle n'a pas toujours été fidèle à ce Dieu qu'elle a cherché. Et dans notre prière, c'est que le Seigneur, par ce saint sacrifice, pardonne ses manquements et l'accueille auprès de lui. Et que de là-haut, elle-même, elle console ce qu'elle a laissé. Qu'elle-même veille sur les membres de sa famille, ceux qui attendent, eux aussi, le jour où ils iront à la rencontre du Seigneur. J'ai un ami d'enfance qui nous disait, lorsque nous étions en première F3, il disait, il avait perdu sa maman. Et ils étaient deux encore, suivant de leur famille, avec son petit frère. Et à Bafa, il vivait dans un bureau. On avait cédé un bureau là, il couchait là, même le sol. Il n'arrivait même pas à manger. Vraiment, il souffrait terriblement. Et après, dans un moment, il nous dit, on se demandait qu'est-ce qui va se passer avec lui. Il dit, quand on accouche un enfant, on doit faire le deuil. Et quand quelqu'un meurt, il faut organiser la fête. On avait l'impression qu'il était fou, on ne comprenait pas. Et il continue en disant, quand on accouche, l'enfant vient souffrir. La preuve, c'est qu'à l'accouchement, déjà, il faut que l'enfant crie. Donc déjà, quand tu viens là, il faut souffrir. Et quand on meurt, on quitte la souffrance. On ne connaît plus la difficulté, les tracas sur la route, le soleil, la famine, le boulot, tout ce stress-là, on laisse derrière nous. On s'en va. Retourner vers le Père. Puisque je retourne vers le Père, alors il faut être dans la joie. Parce que là, on a quelqu'un qui va intercéder pour nous. Un artiste avait dit un temps, mon frère en haut, moi aussi je suis en haut. Donc si mon frère, si ma soeur Félicité est auprès du Seigneur, je peux me réjouir. Parce que je sais que de là-haut, elle va veiller sur moi, elle va intercéder pour moi. D'où l'urgence de beaucoup prier pour elle. Donc au cours, après même cette célébration eucharistique, conjoint davantage, elle a recommandé au Seigneur. Prions pour sa famille, pour son papa qui nous a quittés il y a quelques années, et que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, les accueille auprès de lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a rejeté des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Gardez son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Sœur, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Gardez son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que nos peines, notre peine, et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Gardez son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, prions. Gardez son âme dans la afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Gardez son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Gardez
Et ne veut en perdre aucun. Permets que la prière de ton Église serve au salut des vents des morts, spécialement félicité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Alors j'ai dit, je viens pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Alors j'ai dit, qu'en ce jour de ces funérailles, nous t'offrons le sacrifice qui réconcilie avec toi. Si la tâche du péché l'a marqué, si la faiblesse humaine l'a souillé, que ta tendresse lui pardonne et la purifie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur de l'univers, Seigneur, tu es saint. C'est le Seigneur de l'univers, Seigneur, tu es saint. C'est le Seigneur de l'univers, Seigneur, tu es saint.
Seigneur, tu es saint. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es saint. Je sais que le Christ sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur de l'univers, Seigneur, tu es saint. C'est le Seigneur de l'univers, Seigneur, tu es saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur de l'univers, Seigneur, tu es saint. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur de l'univers, Seigneur, tu es saint. Notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. » Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia! En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église et de reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Félicité, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Abraham, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté, écoute en ta bonté les prêtres de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour féliciter qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle était unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts, et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois dans ton royaume où nous espérons être comme ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Quand tu essuieras toute l'âme de nos yeux, en te voyant toi, notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous ont dit notre Père. Viens aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-la pas notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en lui tout cette fait, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. On est de ses fautes, elle goûte les joies éternelles de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le témoignage, comme on se dit, quelqu'un de cher qui nous a quittés, comme Félicité, je suis sa grande sœur. Elle était une jumelle. Bien en quatrième position derrière moi. Donc, je suis déjà très contente parce que ici nous sommes nombreux à accompagner Félicité. Et que mon père, je vous remercie, je vous dis encore mais grandement merci pour tout ce que vous faites pour moi jusqu'ici. Et je sais que Dieu est Dieu. Si Dieu n'était pas Dieu, on ne serait pas là. Et je sais que comme nous avons organisé les obsèques de Félicité, vous voyez comment nous sommes arrivés sans pluie. Ça veut dire que le Seigneur est avec nous. Et c'est à lui que j'ai remis tout. Donc, je vous remercie. Je n'ai même pas de mots, je n'ai même pas de force. J'ai dit ce que je pouvais dire, mais je pense que c'est toujours cette puissance-là, comme je disais, qui fait en sorte que je... Donc, vraiment, merci. Le Seigneur soit avec vous. Saint-Esprit. Allez, demeurez dans la paix du Christ. Avec respect et affection, confions-la à Dieu dans l'espoir de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout notre cœur Félicité, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au seuil de ta maison. Nous allons répondre, prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. N'était pas ton enfant depuis ce premier jour, où les eaux du baptême lui ont donné ta vie. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà. Qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Félicité notre sœur. Nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leurs prières pour celles qu'ils pleurent. Toi seul est saint, toi seul est capable de miséricorde. Pardonne à notre Seigneur toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Félicité soit séparée de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. On t'aide directement. Oui. C'est bien, non? Vraiment. Il a apporté les fleurs là, on avait. Hein? Ah, tout là-haut. N'arrêtez pas les fleurs. N'arrêtez pas les masques. Arrêtez en bas, C'est parti. Dégagez la voix, pour qu'elle sorte. C'est la tête, Ça rentre par où? Comme ça. Attention. Mettez les mains. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré dormir dans un tombeau, Jésus, nous larmes, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle au Seigneur, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as sanctifié, félicité dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé.
pour que nous ayons la vie. Assure-toi nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre sœur, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Félicité de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu la réveilleras, pour qu'elle voie de ses yeux, dans la clarté de ta face en lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie. Comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Moi aussi. Je fais la vidéo. Bon. S'il vous plaît, quittez devant l'appareil, je vous en prie. Quittez devant l'appareil, je vous en prie. Oh, c'est mon. Oh, c'est mon. Oh,
Les enfants n'ont pas encore expliqué ses enfants.
et à ses enfants. Well, give it up.